médicament médiocre. Substance capable de modifier l'état de conscience. Nom donné aux ingrédients propres à la teinture, à la chimie, à la pharmacie. Drogue douce, stupéfiant qui a des effets mineurs sur l'organisme, comme les dérivés du cannabis. Drogue dure, stupéfiant engendrant un état de dépendance qui provoque une démence et un état de besoin pour conduire à une toxicomanie. Habitude de consommer un ou plusieurs produits susceptibles d'engendrer un état de dépendance psychique à l'immense. Adaptation permettant aux êtres vivants de supporter sans dommage immédiat des doses croissantes de substances toxiques ou de stupéfiants. Dans de nombreux pays, l'extension de la consommation de substances susceptibles de modifier l'état de conscience, regroupées sous le terme de drogue, est un phénomène relativement nouveau. Il est considéré comme toxicomanogène par l'OMS, tout produit dont l'usage est capable d'engendrer une dépendance psychique. Certaines substances créent également une dépendance physique, caractérisée par l'apparition de troubles somatiques ou psychiques graves en cas de secousse. Les produits qui engendrent toxicomanie, pharmacodépendance, sont essentiellement les dérivés du cannabis, certains hallucinogènes, les opiacés et les médicaments détournés de leur usage habituel. Le type de substance et sa voie d'administration influent sur la gravité de la toxicomanie. La drogue, sous quelque forme qu'elle soit, peut générer une accoutumance difficile à gérer. C'est une boîte de Pandore qui, une fois ouverte, modifie l'état de conscience de son unique possesseur, lui permettant d'appréhender le monde d'une façon différente. Une fréquence croissante d'utilisation d'une telle boîte engendre une accoutumance tenace, voire irréversible, provoquée par le besoin de ressentir d'autres sensations, de devenir une nouvelle personne, laissant libre cours à ses schizophrénies et sa paranoïa. Thank you.